comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi matin. J'ai encore le scotch, j'appelle ça le scotch, sur le nez. Comment vous dire que c'est un lundi matin, mais qui commence en beauté? En fait, Isaac était malade tout le week-end, il a fait de la température et tout, enfin en gros il a eu la grippe. Là il commence à aller mieux, ce matin il a pas fait, enfin il fait plus de température, donc c'est bon, il est sur la pente ascendante, on va dire. Et puis là maintenant c'est Ayan qui tousse en fait depuis hier. Là il a mal à la gorge, il tousse encore. Je l'emmène chez le médecin à 14h15 aujourd'hui. Donc là moi je vais me laver en vitesse. Je me suis réveillée ce matin, en fait ce matin je me suis réveillée et vu que j'ai entendu Ayan tousser, je me suis réveillée d'un coup et je me suis activée d'un coup, et donc je me suis sentie, enfin j'avais la tête qui tournait et tout, et je me suis dit oh là là c'est pas vrai, faudrait pas que moi non plus je tombe malade, parce que sinon bah, ça va pas le faire. Faut au moins qu'il y en ait un de nous trois qui soit bien pour s'occuper des deux autres. Mais finalement c'est passé en fait, parce que je me suis réveillée, je me suis levée trop vite. Donc là ça va. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma douche. Ensuite je vais filer à la pharmacie, je vais aller chercher des autotests adultes et enfants, comme ça on en a en stock au cas où. Et puis après je vais aussi prendre des doliprane, parce que du coup on en a plus beaucoup. Enfin voilà, faire un petit peu le stock de l'armoire à pharmacie, on va dire, voilà, pour, enfin, sait-on jamais, pour Ayan, pour nous. Et puis à 14h, donc j'ai rendez-vous chez le médecin, donc là je file sous la douche et on attaque ce nouveau vlog ensemble. La douche c'est fait, maintenant je vais m'habiller, sachant qu'il fait 5 degrés dehors, donc ça va être très simple, parce qu'aujourd'hui j'ai pas le temps, donc ça va être un pull avec toujours un petit débardeur ou quoi en dessous, et puis avec un jean. Donc je crois que je vais mettre ça, donc ça c'est mon pull côtelé de chez H&M, avec un t-shirt en dessous. Je vais prendre celui-là, et ensuite en jean, bah, ça va être, je vais prendre celui-là je pense. Ça y est, je suis dans la voiture, je viens d'arriver, je me suis garée, je vais aller à la pharmacie vite fait. Je viens de rentrer les filles, donc j'ai pris Doliprane, médicaments et tout ça. J'ai pris aussi les autotests, normalement ils les vendent en 5, enfin par boîte de 5, mais là ils en avaient plus, donc j'en ai pris 3 à l'unité. Et j'ai pris ça aussi parce que bah, là en ce moment ça tourne. D'ailleurs j'ai même parlé à la personne qui m'a servi, et pareil il me disait que bah, qu'il y a énormément de cas de grippe en ce moment, que ça fait un mois un petit peu que ça circule. Donc j'ai pris ça pour dire d'assainir un petit peu l'air. Je sais pas si ça marche, ma mère elle s'en sert et bon, elle dit que c'est bien, et bon c'est bio, c'est vendu en pharmacie, donc je me dis bon pourquoi pas, enfin ça peut pas faire de mal on va dire. Donc j'ai sprayé ça dans la chambre, un petit peu ici dans la pièce à vivre. Et sinon on s'est dit avec Isaac qu'on allait s'asseoir, parce qu'en fait aujourd'hui c'est lundi, donc jour de course et tout ça, donc on s'est dit on va se poser et on va faire un petit peu une liste de ce qu'on a, de ce qu'on a envie de manger cette semaine. Je vais laisser un petit peu de côté l'application Joe, parce qu'en fait je me rends compte que c'est beaucoup de recettes avec du fromage. Franchement on n'a jamais eu autant de fromage dans le frigo et on n'arrive pas forcément à le finir. Ça t'achète tout un pot de fromage alors que pour la recette on a besoin qu'un petit peu, et du coup après on se retrouve avec du fromage qu'on n'a pas forcément l'habitude de consommer, et du coup je vous avoue que ça m'embête, parce que moi qui déteste gaspiller, là je me retrouve des fois à bah, devoir jeter, et c'est un truc que je déteste. Donc j'ai dit Isaac écoute on va faire une pause, on va retourner à la bonne vieille liste là avec les choses qu'on aime manger, qu'on connaît et tout ça, qui font vraiment partie de nos courses et tout. Du coup on s'est déjà dit qu'on ferait une soupe par soir, donc une chorba, avec donc un plat qui contient donc une source de protéines et une source de sucre lent, histoire vraiment d'avoir bah, des légumes via la soupe et tout, le bouillon avec plein de minéraux et tout ça, et d'avoir aussi une source de prot et une source de féculents. Donc on va faire ça je pense, donc on va se poser, on va voir un petit peu ce qu'on a envie de manger cette semaine. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas mangé d'œufs, pourtant nous on est des consommateurs d'œufs, mais là cette fois-ci je sais pas pourquoi, pourtant on avait acheté le même nombre d'œufs, mais c'est vite parti, peut-être parce que j'ai fait des gâteaux et tout ça. Ah oui, et puis je vais aussi faire un gâteau, d'ailleurs il me reste une banane qui est bien mûre là, donc je pense que je vais m'embarquer dans un banana bread, soit aujourd'hui, soit demain, je sais pas trop. Et puis voilà. On vient de finir la liste, les filles, pour le menu. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on a prévu. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, on a prévu une chorba. Donc, ça sera à chaque repas. Donc, là-dedans, il y aura du céleri, du persil, des pois chiches. Enfin, voilà, la chorba classique avec du concentré tomate, de la tomate. À côté de ça, Isaac va nous faire son bon pain. C'est du pain tunisien. Il est trop bon s'il est aux graines de nigel et aux graines de fenouil. Tu peux aussi mettre des graines de sésame si tu veux. C'est du pain à base de semoule extra fine.
Donc, il faudra de la levure d'ailleurs. Ensuite, en repas 1, on a choisi des lasagnes, donc lasagne classique. Ensuite, en repas 2, donc ça sera pour un autre jour, une frittata avec donc des œufs forcément, pommes de terre et pousses d'épinards avec une salade tomate cerise concombre. Et c'est vrai que tout ce qui est tomate cerise, enfin tout ce qui est tomate, concombre, poivron et tout ça, on n'en mangeait pas du tout en hiver parce qu'on voulait vraiment consommer des légumes de saison. Et là, en fait, on a vu à grands frais qu'ils commençaient à ravoir des tomates et tout ça de France, parce que sinon, en hiver, c'est beaucoup made in Espagne et tout ça. Et tout ce qui est pesticides et tout ça, bah, évidemment, on veut éviter au maximum. Et ensuite, on a choisi aussi une autre recette qui est du riz poulet sauce au poivre. Ça va être trop bon avec des champignons, du coup, et de la crème et des grains de poivre. Et ensuite, en dernière idée repas, on a mis shakshuka à la boulette de viande et au poivron. Donc voilà, et à chaque fois, il y aura du pain et de la shorba à chaque repas. Donc je pense que là on est bon et moi tous les jours je vais faire un... Enfin tous les jours, dès qu'il n'y en aura plus, je vais pas faire à profusion non plus. Mais à chaque fois je ferai un gâteau assez consistant. Enfin voilà, à chaque fois je changerai. Mais là je pense que le prochain ça sera un banana bread parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une banane qui est bien mûre. Et donc là c'est parti, on va faire les courses. Et voilà les filles, donc ça y est, on vient de rentrer des courses. Je vous ai tout mis sur la table, comme ça je vais bien vous montrer notre retour de course spécial Ramadan, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on prend pas d'habitude, comme par exemple le céleri. C'est vrai qu'en dehors du Ramadan, je fais pas spécialement de soupe, enfin de shorba et tout ça. Donc voilà, donc on va commencer. Donc là, on a des épices pour shorba. Je vous avoue que j'ai jamais pris d'épices spéciales shorba. D'habitude, je mets mes propres épices. Mais là, je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester un petit peu ça. Là, on a des graines de nigel, donc c'est pour le pain. Ici, on a du sésame doré. Ça sera pour des recettes, je sais pas encore quoi. Mais je me suis dit, voilà, si je fais des petites pâtisseries ou quoi, ça pourrait être sympa d'avoir ça sous la main. Ici, on a du poivre en grain pour notre moulin à poivre et aussi pour faire la recette de la sauce au poivre. Fenouil, c'est pour le pain, et du gingembre moulu, bah parce que j'en avais plus, donc je me suis dit que j'allais en prendre. Ici, j'ai de l'amande en poudre pour tout ce qui est gâteau et tout ça. Comme je mange principalement sans gluten, j'aime bien toujours avoir de l'amande en poudre sous la main. Ici, on a des feuilles de brique pour faire tout ce qui est briques forcément, ou bien les petits samosas et tout. Là, de la levure de boulanger, c'est pour le pain aussi. Ici, on a de la chair de tomate, c'est pour la shakshuka. Donc, j'ai pris aussi du concentré de tomate comme ça. Là, on a du maïs à popcorn parce que pour la petite anecdote, en fait, la semaine dernière, on est allé faire les courses à Lidl et ils vendaient des mini appareils à popcorn. Et c'est vrai que les popcorn, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup pour snacker, autant salé que sucré. Et on n'en consomme pas beaucoup parce qu'en fait, j'ai pas d'appareil et j'avais déjà essayé de faire avec... à la casserole et tout ça, mais ça brûlait pas mal le fond de mes casseroles et donc j'avais arrêté d'en faire. Donc je me suis dit que j'allais en prendre pour tester l'appareil de chez Lidl. Ici on a la semoule donc extra fine pour le pain, donc Isaac va nous faire. Là j'ai pris du coulis de tomate. Ça c'est pour ma machine à laver, rien à voir avec le Ramadan, mais ça j'aime bien mettre ça pour l'entretien de ma machine à laver. Là on a une mousse au chocolat parce qu'Ariane voulait une mousse au chocolat. Elle est super bonne celle-là. Elle est vraiment, t'as l'impression qu'elle est faite maison tellement elle est bonne. Là, on a du beurre, du fromage râpé, ça sera pour les lasagnes. Ici, Isaac s'est pris du yaourt, enfin du skyr plutôt, pour le matin. Ensuite, riz pour le riz à la sauce au poivre avec le poulet. Là, on a du gingembre. Ici, c'est du thon pour... Pourquoi j'ai pris... Ah oui, c'est pour faire des petits samosas au thon, par exemple thon fromage râpé, un truc comme ça. Là, les œufs, évidemment. Ensuite, on passe à la partie légumes. Donc là, on a les champignons pour la sauce au poivre champignon poulet.
Ici, on a des tomates cerises pour faire une petite salade à côté. Les carottes, c'est principalement pour les lasagnes. Oignons, pour faire à manger de manière générale. Ici, on a du céleri, donc c'est pour la chorba. Franchement, il y en a énormément. Enfin, nous, on consomme peu de céleri, quoi. Donc là, il y en a beaucoup. Je sais que je peux le congeler et tout ça. Mais ouais, pour le coup, c'est une grosse quantité, ça, pour nous. J'ai pris du persil. J'ai pris des poivrons comme ça, corne de bœuf. C'est mes poivrons préférés. On a un concombre. Et ici, on a des herbes aromatique mais en pot à planter parce qu'en fait je vous avais dit la dernière fois que j'avais vraiment envie de faire un pot, un gros pot dans la cour dans lequel je mettrais plein d'herbes aromatiques comme ça mais je voulais pas forcément le faire dans un délire vous savez de serre en rectangle et tout donc à voir mais en tout cas ouais j'ai pris ça dans le but de tout planter dans la cour donc j'ai pris du thym, de la ciboulette, du romarin et du basilic, c'est principalement ce qu'on consomme nous en termes d'herbes aromatiques. Il y avait de la coriandre, j'aime pas du tout la coriandre. Par contre, j'espérais qu'il y ait du persil, mais il n'y en avait pas. Du coup, je me suis demandé s'il était possible de planter du persil comme ça. Franchement, c'est peut-être bête ce que je dis, mais ouais, je me suis dit, est-ce que si je plante du persil comme ça dans la terre, est-ce qu'il va y avoir des racines et est-ce que ça va pousser ou pas? Je vais voir un petit peu sur internet ce qu'il est possible de faire. Sinon, au pire, j'achèterai, je sais pas moi, soit j'irai voir à Jardiland s'ils en ont, soit je prends des graines peut-être. Mais ouais, c'est vrai que moi j'aime beaucoup le persil plat comme ça. Et en fait, ce qui se passe quand j'en achète en botte, c'est que ben en général j'ai du mal à les conserver très longtemps. Enfin, je trouve que ça se flétrit très vite en fait. Ça devient vite, ça perd de sa fraîcheur et tout. Je sais qu'on peut les mettre dans des pots en verre avec de l'eau dans le frigo et tout ça. C'est un truc que honnêtement j'ai jamais essayé. Mais ouais, je préférais en fait pouvoir les laisser pousser dans la terre et prendre quand j'en ai besoin plutôt que de risquer à chaque fois d'en consommer que la moitié et que le reste devienne plus très frais dans le frigo quoi. Donc je vais voir pour le persil. Mais en tout cas, donc voilà pour nos courses de la semaine spéciale Ramadan. Il est un petit peu plus tard dans la journée, les filles. On est allé donc avec Ayane chez le médecin. Donc finalement, il a une laryngite. Elle m'a expliqué qu'il y avait une vague, on va dire, de grippe ces derniers temps. D'ailleurs, elle me disait qu'elle revenait d'une semaine où elle était vraiment clouée au lit et tout ça. Donc elle m'a demandé en fait si à la maison il y avait d'autres personnes qui étaient malades. Je lui ai dit que bah oui, que Isaac était malade aussi. Donc elle a dit bon bah faudra surveiller. Elle a dit j'espère que c'est pas ça. Elle a dit mais ça pourrait potentiellement être le début d'une grippe pour Ayane. Donc pour l'instant, elle m'a donné ce qu'il fallait pour sa gorge surtout et pour sa toux. Elle m'a donner aussi du Doliprane au cas où pour la température parce que quand elle a checké il faisait 38. Il va pas aller à l'école jusqu'à mercredi. Elle m'a dit si mercredi ça va mieux il pourra retourner à l'école jeudi quoi. Et sinon justement en parlant d'Ayane, je vous avais dit dans le vlog précédent que je vous parlerais de ses cours de soutien. Du coup je vous en avais aussi parlé sur Insta. Ayane a des cours de maths de soutien via la plateforme GoStudent. Et c'est une plateforme que je connaissais pas du tout mais que j'avais déjà vu passer à la télé via des pubs et tout. Et en fait on a testé le concept avec Ayane et en fait il a absolument adoré et moi du coup ça m'a rassurée parce que c'est vrai que en tant que maman on est toujours voilà un petit peu inquiet quand on voit que son enfant a un petit peu voilà pas des lacunes mais voilà où il aurait besoin d'un petit coup de pouce dans certaines matières et tout ça ou s'il y a des sujets qu'il maîtrise moins bien surtout avec le contexte n'empêche de ces 2 dernières années où les écoles n'étaient pas toujours assurées et tout ça pour le coup ça lui fait du bien quand même d'avoir un petit suivi donc Ayane fait des cours de soutien donc en maths il aime vraiment beaucoup son tuteur il l'apprécie vraiment beaucoup. Pour vous raconter un petit peu comment fonctionne GoStudent, en fait, là où il se démarque le plus, je pense, c'est vraiment dans le côté utilisation de la plateforme. C'est une plateforme qui est vraiment très simple d'utilisation. Vous avez votre profil, vous avez vos cours qui sont soit organisés, soit vous pouvez les prendre directement, les programmer en fait via la plateforme. Vous cliquez sur votre tuteur et vous lui envoyez une demande de cours et donc ça peut se faire via la plateforme. Ou bien vous pouvez aussi échanger avec votre tuteur via WhatsApp. C'est vrai que j'aime bien aussi échanger donc avec le tuteur d'Ayane. C'est vraiment un groupe WhatsApp qui est créé par la plateforme GoStudent. Donc c'est hyper pro, c'est bien cadré et franchement j'en suis hyper satisfaite. Et sur la plateforme donc vous avez un peu plus d'une vingtaine de matières. Je trouve ça vachement complet. Ça va de la primaire au lycée et les profs sont vraiment certifiés quoi. Donc ça aussi je trouve ça super rassurant de pouvoir vraiment aller sur une seule plateforme. Vous y retrouvez tout et vous pouvez vraiment y aller avec confiance. Franchement il y a vraiment un énorme choix de matières et comme je vous ai dit ça va à différents niveaux. Qu'est-ce que tu as vu Ayane comme cours de maths pour instant. Voilà donc ouais, donc Ayane il a fait les conversions, tout ce qui était unité de mesure et tout ça il a revu et après la fois dernière c'était addition non? Ouais, addition. Addition.
Addition posée avec décimale aussi. Et donc Ayane, il était tout fier parce que pour le coup, à virgule, ils n'ont pas encore vu à l'école. Et donc il a dit à son tuteur, ouais, je suis trop content, je vais savoir avant les autres et tout. C'est marrant. Mais ouais, tout ça pour dire que c'est vraiment une chouette plateforme et que quand vous êtes parent et que vous avez besoin d'être rassuré comme ça et de savoir que votre enfant est bien suivi et encadré et tout, bah, je trouve que c'est vraiment chouette et je trouve que c'est vraiment une plateforme... qui vaut le coup d'œil. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai mon lien en barre d'infos, ça vous permettra aussi d'avoir une réduction. Et aussi, sachez que le gars a un cours d'essai, donc ça c'est top aussi, si jamais voilà, vous voulez pas vous engager, enfin que vous voulez d'abord tester et voir un petit peu avec votre enfant, si ça passe au niveau du feeling, tout ça, avec le tuteur et tout, c'est bien aussi de pouvoir tester comme ça gratuitement. Donc sachez que c'est le cas avec GoStudent. Puis ce qui est top, c'est que les cours sont vraiment personnalisés, forcément c'est vraiment en fonction des besoins de votre enfant. Par exemple, moi je sais que Kalen m'avait demandé de lui envoyer des photos un petit peu des cours d'Ayane pour voir un petit peu ce dont il avait besoin. Ça sert strictement à rien de faire un cours, je sais pas moi, sur les multiplications alors que Ayane maîtrise ses tables de multiplication par cœur. Donc voilà, je vous mets encore une fois toutes les infos en barre d'infos. Merci à GoStudent d'avoir sponsorisé cette petite partie de la vidéo et merci aussi à GoStudent de la part d'Ayane parce que franchement il aime beaucoup. Il avait un petit peu le trac au début, il savait pas trop comment ça allait se passer et à la fin du premier cours déjà il était conquis on va dire et puis c'est vrai qu'il avait hâte de faire le cours d'après. Alors qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Alors non, déjà je voulais vous parler parce qu'en fait hier j'ai fait un banana bread. Mais en fait j'ai pris une recette d'une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Annie Jaffray. J'ai changé quelques petits trucs, de toute façon je vous mettrai la recette dans la vidéo de vendredi. Mais le banana bread il est tellement bon et en fait il est tellement consistant que ça m'a calé. Mais là il est 14h et j'ai toujours pas faim. Sachant que bah voilà, enfin comme vous le savez, je jeûne et tout. Et c'est vrai qu'habituellement en fait j'ai toujours aux alentours de 14h justement, j'ai toujours un petit coup de barre avec je commence à sentir un petit peu la faim et tout. Mais là franchement pas du tout. J'en ai mangé un morceau hier soir en dessert et un morceau aussi ce matin au petit déj. Et franchement mais il est tellement riche en fruits secs, en sucre naturel grâce aux dattes et tout. Enfin franchement la recette que je vais vous partager la vendredi dans la vidéo de vendredi, gardez-la précieusement parce que franchement c'est un pur régal et en plus c'est plein de bons nutriments et tout et ça cale bien. Je trouve que c'est l'idéal justement pour les personnes qui ont des envies sucrées comme ça et qui veulent tout doucement se détacher des biscuits, des gâteaux et tout. Et en plus il y a des pépites de chocolat à l'intérieur. Donc franchement c'est trop trop bien. J'ai trop hâte en fait de vous partager la recette. Ayane est avec nous du coup, il va mieux. En fait là ce qui est bizarre c'est qu'il commence à avoir mal à la dent, enfin à l'endroit où sa dent a été arrachée. Donc il faut que je voie avec la dentiste si elle peut le recevoir parce que au début je me disais bah c'est normal qu'il ait mal et puis là je me dis c'est bizarre parce qu'il avait pas mal et là il a à nouveau mal. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose de sous-jacent. Ah et je porte aussi, je vous montrerai peut-être que vous le verrez mieux à la maison, mais je porte un gilet de chez Mango d'une commande que j'ai reçue parce que j'avais prévu de vous faire un haul. Franchement pour le coup la commande elle a mis du temps à venir. Je sais pas si c'est parce que je suis habituée au délai de H&M et en 2-3 jours t'as ta commande, mais là j'ai attendu une bonne semaine. Donc ouais, je vous ferai le haul. Je sais pas encore quand est-ce que je vais réussir à le caser dans mes vidéos, mais ouais, je vais vous partager tout ça. Mais en tout cas je vous montrerai le gilet à la maison parce qu'il est juste trop trop beau. On est beaucoup plus tard dans la journée, il est 20h, enfin c'est bientôt l'heure de manger. Je voulais vous montrer mon gilet mais finalement je pense que je vous montrerai plutôt demain à la lumière du jour. Au menu de ce soir nous avons des lasagnes qui sont juste ici, elles sortent du four, elles ont l'air juste trop trop bonnes, ça sent trop bon. Pour moi, je me suis faite des spaghettis bolo. J'avais plus envie de spaghettis bolo. Donc les lasagnes, ça sera pour Isaac ce soir et puis Ayane aussi demain. Isaac, hier, donc, nous a fait son merveilleux pain qui sera aussi dans la vidéo de vendredi. Ici, on a le reste de la soupe qui est en train de chauffer. Comme ceci, comme cela. Le fameux banana bread dont je vous parlais tout à l'heure qui est là. Et dans le four, on a un reste de frittata qui est en train de chauffer. C'est le lendemain les filles, on est mardi, on est quel jour? Je sais même plus quel jour on est tellement les journées se... Pardon? Ah merci Minou. Ayane me dit qu'on est mercredi aujourd'hui
Et en fait, pour la petite histoire, on a passé une nuit assez mouvementée parce que Ayan a commencé à être bien bien malade cette nuit. Il a fait de la température, il a dépassé les 39, voilà, il était vraiment pas bien. Et donc, autant vous dire qu'on n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Isaac, lui, par contre, va beaucoup mieux, donc c'est chouette. Lui, ça y est, je pense que il sort de sa grippe tout doucement. Par contre, Ayan était vraiment en plein dedans cette nuit. Ce matin, enfin aujourd'hui, ça va mieux. Il fait plus de température. Bon, je surveille quand même et tout, mais c'est vrai que voilà, ça va un petit peu mieux. Après, le médecin m'avait dit qu'effectivement, si ça se changeait en grippe, parce qu'au départ, il avait juste mal à la gorge, enfin, il avait juste une laryngite. Elle m'avait dit que si ça se transformait en grippe, que ça serait un petit peu en V. Donc, enfin, c'est pas linéaire en fait quand t'as une grippe. Donc, t'es dans le mal, on va dire. Ensuite, ça va mieux. Ensuite, ça replonge un petit peu. Et ensuite, ça va mieux. Donc voilà. Donc, je surveille encore Ayane. De toute façon, là, c'était la dernière semaine avant les vacances scolaires. Donc, ça tombe bien. Il pourra bien se reposer et tout. Je voulais vous montrer du coup le gilet porté. Donc je l'ai remis aujourd'hui. Bon, j'ai mis avec un t-shirt gris, je trouve que ça fait sympa aussi. Ça tranche plus avec un t-shirt blanc, mais je trouve qu'avec un gris ça fait beau aussi. Donc c'est un Mango comme je vous l'ai dit hier. Je l'ai pris en taille L et je suis bien contente de l'avoir pris en L parce qu'au départ je le voulais en M mais il était plus dispo, il restait plus que la taille L et je le trouvais tellement beau que je me suis dit tant pis, je vais quand même tester. Et puis finalement j'aime beaucoup son côté comme ça, bien grand. Et puis au niveau des manches, c'est pas trop long quoi, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait il faut savoir que les revers là sont cousus. Donc vous pouvez pas les enlever, enfin c'est cousu avec un ou deux points, donc bon si vraiment vous voulez découdre les points, enfin couper et puis vraiment avoir une manche qui est dépliée, vous pouvez, mais en tout cas sachez que vous le recevez, enfin déjà cousu et replié sur lui-même plutôt. Et sinon pour le jean, donc c'est un Mango aussi, et les pantoufles ou les sabots, ce sont des H&M. J'ai changé mes aligneurs, je suis aux aligneurs 3, donc c'est fou parce que, je sais pas si vous entendez, mais je trouve que je zozote de moins en moins et je vois vraiment que mes dents bougent quoi, c'est incroyable. Enfin bref, voilà les filles, écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que je vous avoue, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup dormi. Les dernières journées là assez chargées depuis ce week-end. Donc là je vais enchaîner avec un nouveau vlog quand même pour dimanche. Vendredi vous aurez une vidéo plutôt recette. Mais là je vais vous laisser ici. Donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.